Lune sec. Salut la team, c'est Thanos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring. Comme vous avez pu le voir, on est passé au bail sérieux les gars. On est passé en mode canonnier, en mode artificier. On est là pour allumer dans tous les sens avec un fucking bouclier. Vous avez vu comment ça rime? Je sais que vous avez détecté ce genre de bail de poésie. Et oui les gars, bon... Aujourd'hui, on va parler d'un bouclier qui, ma foi, est super fun après avoir découpé dans tous les sens avec les épées, piqué dans tous les sens avec les lances, envoyé de la magie, etc., etc. On passe au bouclier, les gars. Et là, le bouclier qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment pas une blague, hein. Non, non, regardez-moi ça. Bidim! On allume d'en haut, on allume d'en bas. Regarde, les gars, c'est parti, moi, se dit, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti voir leur pote. Ils m'avaient pas vu. Bouah! Eh ouais, ça allume les gars. Bon, aujourd'hui, on va parler du bouclier cyclope, les gars. Ce bouclier complexe en pierre blanche représente un dieu cyclope difforme. Le canon d'une arme à feu dépasse de sa bouche béante. Et jadis vénéré par les géants, cette divinité malfaisante aurait été oxyse par la reine Marika. Compétence unique. Hors bardant. Vous brandissez le canon intégré au bouclier pour projeter une boule de feu. Cette dernière explose à l'impact. Les gars, quand je vous dis que ça, c'est un genre de bail hyper sérieux. Non, moi, j'étais pas prêt au début. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'ai trouvé ça dans un château et je me suis dit, vas-y, on va tester ça. En tout cas, il fait partie des boucliers pavois. Contendant, je ne sais pas pourquoi, au cas où tu veux frapper avec. Il a un coup en PC à 28, il pèse quand même 20 kilos, c'est pas léger. Ça fait des dégâts physiques, donc 319 plus 206 quand il est au niveau plus 9. Et il va simplement demander de la force, les gars. Donc moi en force, vous pouvez le voir sur mon build, je suis à 60. Donc si vous êtes à 60, vous ferez à peu près ce même type de dégâts. J'ai essayé de mettre des boosts de feu. Je me suis dit peut-être que ça peut aider. Voilà, en tout cas, le talisman de tortue verte, je peux vous dire que lui, par contre, il va vraiment servir. Parce que quand vous vous servez du bouclier, ça consomme de l'endurance à mort. Parce qu'en plus, vous vous protégez avec. C'est-à-dire que si on vous frappe pendant que vous protégez, ça va consommer encore plus d'endurance. Et le fragment d'Alexander, bien sûr, est indispensable. Car nous allons utiliser une compétence lorsque nous allons jouer avec ce bouclier. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi également la lame fissurée voilée de flammes pour renforcer temporairement les dégâts de feu. Et le pot d'huile. Pourquoi le pot d'huile? Parce que le pot d'huile va rajouter 50% de dégâts de feu, les gars. C'est-à-dire que si vous tombez sur un ennemi, un boss qui a beaucoup de vie ou quoi, vous lui jetez un pot d'huile d'abord, vous tirez ensuite, bah, vous explosez ça. Comment faire pour trouver ce bouclier? Il va falloir vous rendre dans la zone du géant, à la première église de Marika. Et ici, il va falloir simplement aller tout droit vers ce petit château que je n'avais pas encore découvert sur mon NG+. Du coup, j'y suis allé. Première église de Marika dans la zone des géants. On a déjà expliqué comment venir ici. Il faut avoir les deux parties du médaillon de Rhode, prendre l'ascenseur de Rhode et pouvoir venir jusqu'ici. Les vidéos sont en description. Si jamais j'oublie de les mettre en description, allez voir sur ma chaîne. Vous tapez simplement médaillon de Dectus, médaillon de Rhode pour pouvoir accéder aux deux zones qui nécessitent un ascenseur. Donc, une fois que vous êtes au feu de grâce de la première église de Marika. Vous suivez mon personnage. Il y avait un petit feu de grâce ici que je n'avais pas encore découvert sur mon NG+. Vous pouvez y aller directement hein, si jamais vous l'avez déjà. Et donc là, il suffit simplement de rentrer dans le château. Alors comme vous avez pu le voir, hein, j'avais un petit délire. Je me suis dit, je vais changer un peu. Je vais jouer un petit peu avec l'épée... mince, j'ai oublié son nom. L'épée, la lame blasphématoire. Du coup, vous montez cette magnifique échelle, les gars. Et ici, simplement, on va venir brûler tous les ennemis qui se proposent devant nous, sur notre chemin. Et voilà. On brûle, et oui, le feu, ça brûle. Vous connaissez la suite pour ceux qui auront la ref. Oh là 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 là, la référence des boomers. Moi-même, je me dis que je suis grave. En tout cas, une fois que vous êtes en haut, il y a un petit chemin dissimulé que tu peux facilement passer à côté. Donc, une fois que vous êtes ici, hop, vous empruntez le petit chemin.
Vous avez vu comment je marche prudemment? Je me suis dit, on sait jamais s'il y a quoi que ce soit. J'étais tout mignon avec ma cape de loup. Alors après, je sais pas si c'est des poils de loup, ça, mais c'est bien long en tout cas. Et vous tombez sur le gardien en chef, Argengiri Quini. Il faut simplement le tuer, vous le tuez, et vous récupérez son bouclier, les gars, tout simplement. Et voilà, vous récupérez le bouclier Cyclope. Tranquille, faites attention au petit toutou. Il y a un deuxième item à récupérer dans cette zone, dans ce donjon qui est, j'allais dire derrière moi, mais maintenant en face. Vous avez une échelle, vous montez tout là-haut et vous allez avoir un petit item à récupérer, les gars. En tout cas, voilà. J'espère que vous testerez ce bouclier si jamais ce n'est pas encore fait. Et j'espère que vous me direz si il est fun ou pas. Alors attention, c'est une arme de parcours. Et encore, même en parcours, si vous tombez sur des ennemis qui sont assez vifs, même là, ce sera un peu compliqué. Ça fait des dégâts, mais c'est quand même très lent à utiliser. C'est très lent à charger. Mais regardez, ça fait le taf, hein. Même contre des gros sous-boss comme ça fait quand même pas mal de dégâts. Et là, j'avais pas de buff en plus sur moi. Bon, faites attention quand même. Il faut avoir quand même de la vie. Mais bon, voilà, vous voyez, ça peut faire le taf, hein. Franchement, j'ai tapé 2-3 boss. Après, juste, j'ai pas eu le réflexe d'enregistrer. Parce que c'était en phase de test. Mais du coup, franchement, regardez, ça fait quand même des dégâts, hein. On peut faire de jolis petits dégâts avec ce petit bouclier sympa. Donc voilà, oubliez quand même contre les gros boss, contre les persos trop rapides. Oubliez les gars, ça marchera pas. Mais regardez, contre notre ami sac de frappe, bah, ça marche bien, hein. Après, si vous mettez des buffs, bah forcément, ça fera encore plus de dégâts. Là, par exemple, je n'avais pas jeté de pot d'huile, par exemple. Et en plus, vous avez vu, ça peut stun. Donc si vous êtes proche de votre adversaire, vous le stunnez, et du coup vous pouvez lui mettre un coup critique. Allez celui-là, comment il est beau, il a cru qu'il allait me la mettre. Bouah! À bout portant mon gars, le bug est dead. Voilà team, dans la vie pour se voir, il faut se quitter, vous connaissez le dicton légendaire. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez bye!